pays, 1975, date de la débâcle des Américains au Vietnam. Au 15 août 2021, aucune intervention américaine ne s'est terminée par un succès. De Mogadiscio à Bagdad, en passant bien entendu par Saigon et Kaboul, ils ont toujours, je dis bien toujours, misé sur des ennemis de l'Occident. Ce sont les mêmes foules qui ont cru à la démocratie et à la liberté qui, au moment des évacuations, se précipitent. Ils se précipitent pour essayer d'embarquer, en vain pour la plupart. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils misé sur des ennemis de la démocratie? Il s'appelle Ek Makhtiar. C'est un chef de bande. Un fondamentaliste religieux. Il a été aidé par les Américains contre les Soviétiques en Afghanistan. Il a mené la guerre sainte contre les Soviétiques grâce à la CIA et aux services secrets saoudiens. Au départ des Soviétiques, Ek Makhtiar, pris en tenaille entre l'Alliance du Nord du commandant Massoud et les talibans, finalement, choisit de se rallier aux talibans. Il a aidé Bin Laden à s'enfuir à Tora Bora lors de l'offensive des troupes américaines. Ensuite, il partit en Iran, puis au Pakistan, se réfugier en exil. Voilà. Sur quel genre d'individus les États-Unis s'appuient et ont toujours misé lors de leurs aventures guerrières. En 1945, Ho Chi Minh, encore en Chine, était contacté par l'OSS, les services secrets américains. Ces services secrets américains vont aider leur futur ennemi, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, dont le nom remplacera celui de Saigon en 1975, lors de la déroute américaine. Je vous passe les délires américains qui ont mis au pouvoir les chiites en Irak, provoquant la rébellion des sunnites et la révolte des habitants. Bush veut le pétrole, mais qu'il le prenne, ça suffit, on a faim. Depuis un mois, on ne mange plus. On a faim, on a faim. Bush, Blair, même combat. De l'intervention d'Obama en Libye avec Sarkozy et la Grande-Bretagne. Dieu est très grand et notre président est le président Kadhafi. Depuis les années 2001, aucune intervention américaine n'a été un succès. Aucune aventure guerrière américaine n'a été un succès. Quelle va être la réaction des pays comme la Somalie ou des pays du Sahel ? Minés par l'extrémisme religieux.
Ici, tous les symboles chrétiens ont été volontairement détruits. Le Christ criblé de balles, les apôtres décapités. Al-Ittihad al-Islamiyya, un mouvement fondamentaliste, terroriste, exhorte les musulmans somaliens à se débarrasser des infidèles. Ne me filme pas, toi. Ce ne sont pas des gens de Mogadiscio. Ce sont des gens armés qui s'imposent dans cette ville. Ce sont des étrangers qui nous ont tirés dessus. Ils ne veulent absolument pas que vous les filmiez. C'est mauvais pour eux. Ils ne veulent pas que vous puissiez les voir. Je suis prêt à aller combattre les Américains et les Anglais en Afghanistan, tout de suite. Oui, tout de suite. Si on continue à tuer les Afghans, nous allons tuer les chrétiens. Et que penser de tous ces hommes qui sont tombés pour rien dans les steppes d'Afghanistan, d'Irak? Donc ici, essentiellement, les Américains qui, avant de partir en Afghanistan, viennent faire un petit stage d'aguerrissement en milieu semi-désertique, donc un milieu qu'on peut retrouver en Afghanistan, et passent ici pour faire un petit stage avant de partir en Afghanistan, donc en guise de préparation pour l'Afghanistan. I'll be all right. As long as my partner doesn't leave me, he just stays right there, part of the buddy system. Et de tous ses efforts pour porter une éducation, une vie meilleure, est maintenant terminée. Alors c'est vrai, les Chinois sont là. En tant que voisin amical et ami sincère de l'Afghanistan, la Chine a toujours poursuivi une politique d'amitié vis-à-vis de tout le peuple afghan. Depuis le passé, dans le présent ou dans l'avenir, cette politique ne changera pas. Ils ont des intérêts en Afghanistan. Ils vont pouvoir s'étendre et le piller, ne se souciant absolument pas de la vie des habitants. Voilà, voilà un petit billet écrit avec un peu de colère et surtout beaucoup d'amertume. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.